Moi, comme je me suis dit moi-même, mon camarade, je suis le numéro 2 du groupe parlementaire, je suis le président du MMM, je suis le chairman du Public Account Committee, avec une boîtier, avec une lapin plus intéressant que la paix un député normal, avec un bodyguard, etc. Mais seulement, je suis allé, moi, pour une question de principe, pas parce que je ne vais pas gagner quoi que ce soit. Pour nous, on passe une tournée le MMM. Hein. Moi, dans le MMM, depuis presque 40 ans, moi, je suis dans le MMM. Nous connaissons même, moi, comment disant tout ce fonctionnement. Et aujourd'hui, nous venons réaliser que le MMM finit avec ce moment de gloire. Dans le passé, l'une réussite surpasse la crise. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas pareille pour le MMM. Le MMM, aujourd'hui, n'est plus la même qu'il était en 83, en 93. En 93, le MMM tient le gouvernement et il y a un problème entre MMM et KMSM. Tout ministre MMM quitte MMM a resté KMSM, à part deux ministres, moi et Qatari. En 83, pareil. Ben, Jacques Nathalie, encadré, entouré de beaucoup de ministres, 50% du cabinet qui était resté à Jacques Nathalie. Mais MMM, c'est libéré, c'est il continue de progresser. C'est résilient, MMM, à l'époque. Il n'est plus le cas, aujourd'hui. Avec sa bande départ depuis 2014, nous nous allons, 2015, Madame Tchakori nous allons, Obigadou nous allons. Aujourd'hui, enfin, il est triste qu'un grand parti qui sait plus l'histoire du pays aujourd'hui, puis quand ça a été déboire là, il n'aura le sol comme ça. Parce que pour la démocratie, un parti politique qui est dans l'opposition, qui est dans le gouvernement, il a un rôle pour jouer. L'opposition a un rôle pour jouer. C'est triste d'un sens, mais seulement, même aujourd'hui, la manière de fonctionner, la manière de Béranger dirige sa partie-là, je pense qu'il est responsable de ce qui peut arriver même aujourd'hui. Et nous pensons difficile pour lui relever. Toute organisation qui se respecte, quelle que soit la nature de ses actions, quand il arrive à une déclinaison, il a le devoir, évidemment, reconnaître sa déclinaison-là d'abord, c'est ce que l'idée du MMM parlait reconnaître, et prend une série de bonnes mesures pour redresser la situation. Il est inévitable qu'il peut continuer de mal en pis, parce qu'il a la tête et un management, un leader qui ne pas reconnaître qu'il arrive à une phase de déclinaison et qu'il est là pour ajuster. Aujourd'hui, impossible, moi, me dire, pour le MMM remonter avec le même leader, avec le même modèle de fonctionnement. Pourquoi Steve Obigado, il essayait, nous l'essayions avant. Nous, on est bien désolés, on est bien chagrins, 40 ans, nous la vie, nous sacrifier, nous, pour donner une direction, un objectif, et qui, malheureusement, maintenant, aujourd'hui, fait une mort sorcière extraordinaire.